Et bonjour tout le monde, c'est Rix Project et on va continuer Stop the Zombie tranquillou. Mais avant ça, il y a eu un petit changement depuis la dernière fois que j'ai joué. Alors, audio, vidéo, bruit de film. Voilà, maintenant, normalement, on peut désactiver la vue zombie, enfin le mode couleur zombie. Donc, on n'a plus. Attendez. Donc on n'a plus les couleurs vertes. Ah voilà. En fait, si on met Technicolor, donc si on met tout, on a le zombie plus Technicolor. Si on met le Technicolor, c'est comme si on était dans un film. Si on désactive tout, et on a le jeu en couleur vanilla. Oh, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai juste l'impression qu'il a perdu avec la cigarette. Bon, on va tester. Allez, hop. C'est moi ou elle a dit un truc. Et ici, papy. Non, mais... Ouais, une de moins. Oups. Bon bah pas de bras, pas de chocolat. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est un système de montée automatique. Donc on va y aller comme ça, tranquillou. Oui, on laisse sur les zombies, ça marche très bien. Hein. Et on défonce aussi le blouson noir. The TVTP. Ah ouh! Mais c'est. C'est qu'ils font mal, les salopards. No, I'll never go to college. Je n'irai jamais au code. Aïe aïe. Vite, vite, vite. À couvert. Oh, lui aussi, j'ai coupé. Oh, c'est dégueulasse. Hey, hop. Qui aime bien. Fort goûtu tout ça. Alors attendez, parce que. On sait jamais qu'il y ait des items cachés par moment, vu qu'ils ont changé des trucs. Alors voilà, des zombies les plus dégueulasses qu'on puisse avoir, c'est ça. Un homme tronc sans tête. C'est plutôt pas mal. Alors, j'ai remarqué il y a beaucoup de gens qui aimeraient qu'il y ait un 2, qu'il y ait une suite. Alors, plutôt qu'une suite, je pense que... Je sais pas si un 2, ce serait vraiment pertinent. Une suite, non, clairement. Mais, comment dire? Une suite serait pas pertinente. Mais un jeu à nouveau dans le même genre, pourquoi pas? Punaise, on dirait. J'ai juste remarqué, on dirait Abraham Lincoln. Avec moins de cheveux. C'est Umpalas, Maternity Wear. Wear? Very good for a formal wear. C'est... Oh punaise, j'avais oublié. Oh, le son quand on marchait dessus, c'est tellement chouette.
Tu me colles une tarte, moi aussi. Voilà. Bon, y a pas grand chose dans ton cerveau, ma fille, donc c'est pas grave. Mon dieu, le sexisme ambiant! Oh là là! Rassurez-vous, les filles, je suis pas du tout comme ça. C'est juste que là, c'est une reluche. Ce sont des trucs de parfum, ça? Faut aimer le design, hein. Je me rappelle pas de cette pièce, moi. Alors, c'est solde, suivez les femmes. Regardez, moi, ça, regardez, j'arrive bien, je vais aller chercher un nouveau porteur. Je commence à sentir un peu le pouvoir. I'll be in the truck. You finish him all. I got a blade in my head. Ah, ok. C'est parti pour le jingle. Youhou. Ah, si je me souviens bien, il était un peu relou. J'ai fait le con. Bon, c'est pas grave, on y retourne. Allez, on va régénérer. Oh la vache. Je foire. C'est cette musique pour vous, je m'en fous. Alors normalement je devrais pouvoir lui prendre le bras. En fait normalement c'est ça, je vais lui arracher un bras puis le deuxième, je crois. Ah voilà. Ah, il est motivé, hein. Il se désarme pas. C'est pour ça que je vais lui donner un coup de main. Ah, et après, on fera un high five, on se serrera la pince. Oh!
Allez, régène, régène. Bon, bien sûr, c'est une référence à Massacre à la tronçonneuse, hein, le gars. Allez. Voilà. Sans utiliser un seul pouvoir. Come on now, old Otis is in a hurry. I know you won't fail me, old trusty iron steed. C'est bon, il nous a embarqué. Oh, des moutes-moutes. Oh, bordel. Complètement frappé. Ah oui, la façon dont il va... Oh non. Oh le... Alors, je vais pour passer, ben voilà, c'est fait. Mon chapeau. Allez se cacher et on va s'arrêter là-dessus pour ce niveau-ci. Donc celui-ci, ça va être dans la ferme, je sais. Je crois que c'est un des passages les plus hardcore qu'il y avait à ce moment-là. Enfin, bref, ça avance doucement. Je crois qu'on est grosso modo à la moitié du jeu, à peu près. Donc, ouais, en fait, la durée de vie est pas mal. Enfin, c'est pas aussi court que ce que je pensais. Enfin, voilà. Bref, j'espère que l'épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao !